Il participait et qu'aujourd'hui, plus rien sera comme. Merci. Bien marré. Mais quand même, c'est nous tous des pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Freemobile. Pour vous, ça va continuer encore quelques minutes, malheureusement. On a un ADN chez Free, qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est de dire quel est le type de produit que l'on souhaite faire. C'est assez simple. Notre secret est assez simple. C'est d'avoir à la fois la meilleure offre, l'offre la plus complète, et dans le même temps, de pratiquer un prix inférieur ou un prix standard ou moyen de marché. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On s'est dit, voilà, quelle est l'offre la meilleure que l'on puisse faire, supérieure au standard de ce marché? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de Free? Et qu'est-ce que vous attendez d'un opérateur mobile? La première chose que vous attendez, c'est le ras-le-bol d'être engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez un opérateur, il va vous engager sur de longues durées. Alors, parfois, il va vous faire croire, c'est parce qu'il va vous mettre un mobile, mais même si vous n'avez pas de mobile, il va tenter de vous engager. Pourquoi? Parce qu'il va vous vendre une offre Shostra très compliquée, vous vous êtes trompé, et à partir de ce moment-là, il va essayer de vous coincer dans cette offre. Donc la première idée, c'est que Free doit vous proposer que des offres qui soient sans aucun engagement de durée. Et comme on pense que l'on vous fera toujours la meilleure offre, nous ne sommes pas inquiets par le fait que vous puissiez quitter Free. Donc c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important, pas d'engagement dans l'offre ou les offres que l'on peut vous proposer. La deuxième chose qui nous paraît importante, c'est marre que l'on vous embrouille. Il y a deux éléments dans l'embrouille. Il y a un premier élément qui est important, ce sont les conditions générales de vente. Dans les conditions générales de vente, habituellement, vous avez des dizaines de pages. Chez Free, les conditions générales de vente pour le mobile, c'est une page. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible par tout le monde, c'est lisible. Mais plus important que ça, c'est les offres, des offres lisibles simples. J'ai nos amis, des trois autres opérateurs, qui nous font chaque mois ou chaque trimestre des guides en moyenne de 70 pages. 70 pages, il n'y a pas un guide tarifaire qui fait moins de 70 pages. J'ai un chouchou CSFR. Mon chouchou CSFR, lui, il a compris le sujet, il a décidé de simplifier les offres. Alors voilà, la simplification des offres, ce que c'est chez SFR. Voilà, ça c'est les offres plus simples de chez SFR.
Ça, on pense que c'est la pire erreur, parce que c'est vous emmener n'importe où, vous faire payer un forfait dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, ils prennent le pari que vous allez consommer moins que ce que vous avez acheté, ou plus que ce que vous avez acheté. Le troisième point qui nous semble important, c'est le ras-le-bol de vous faire arnaquer avec les prix les plus élevés d'Europe. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Les tarifs ont été en moyenne de 2006 à 2009 autour de 18 centimes. Ça a baissé un peu en 2010 à 17,4 et puis un peu plus en 2011. Le prix moyen que vous payez une minute de télécommunication de voix a baissé un petit peu en 2011 au premier semestre. Ce n'est pas des chiffres comme ça, c'est les chiffres de l'ARCEP. Mais vous payez encore aujourd'hui en moyenne une minute de voix quand vous appelez quelqu'un qui est juste là, en moyenne 15 centimes d'euros la minute, 10 euros de l'heure. C'est-à-dire pour faire passer quelques données sur un réseau, on vous facture ça 10 euros par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est du prix ressenti. Votre attente, c'est quoi ? C'est de téléphoner sans compter. La règle de marché sur les forfaits classiques doit devenir illimité, et vous verrez, ça deviendra, parce que ce n'est pas possible que ça soit autrement, comme on l'a fait sur le fixe, ça doit le devenir sur le mobile. Mais toujours dans la voie, on a une autre escroquerie majeure, parce que ce sont parfois des petites lignes que vous ne voyez pas. Si vous êtes frontalier, si vous habitez à la frontière suisse, à la frontière allemande ou à la frontière espagnole, quand vous allez prendre votre téléphone juste pour faire 10 mètres et passer la frontière, bien là, on va aller vous taxer. Le prix moyen chez Bouygues est à 47 centimes d'euros pour appeler l'Europe, 48 centimes d'euros la minute chez Orange, 51 centimes chez SFR. Voilà le prix que vous payez quand vous appelez quelqu'un une nouvelle fois qui est à 100 mètres de vous. C'est-à-dire que la frontière virtuelle européenne, puisqu'elle est devenue virtuelle, cette frontière va vous coûter 50 centimes d'euros. Donc on va vous taxer ces appels qui pourtant ne coûtent pas plus cher à produire qu'un appel vers quelqu'un qui est à côté de vous. Donc on pense qu'il est important d'inclure les appels illimités vers l'international, vers des destinations, les destinations dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'Europe, l'ensemble de l'Europe, la Suisse, mais également les DOM, les départements d'outre-mer, qui sont toujours facturés dans les offres des opérateurs mobiles, les USA ou le Canada. Donc c'est d'intégrer 40 destinations dans un forfait idéal, dans ce forfait idéal que nous allons vous proposer aujourd'hui. L'autre sujet, l'autre attente, c'est les SMS. Aujourd'hui, soit vous avez un forfait illimité SMS, mais c'est une part qui reste minoritaire du marché, soit vous payez des SMS à l'unité. Quand vous achetez des SMS à l'unité, vous les payez en moyenne 10 centimes d'euros. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'envoyer un SMS, si vous n'avez pas pris le forfait SMS illimité, ça vous coûte 10 centimes d'euros. 10 centimes d'euros. La consommation moyenne des SMS en France, c'est 200 SMS. Un adolescent en France consomme 800 SMS. Aux États-Unis, il en consomme plus de 3000 par mois. Et on vous vend ça 10 centimes d'euros. C'est quoi un SMS? C'est un petit tweet. C'est n'importe quoi. C'est tout court. C'est minuscule. On vous presse comme des citrons. On pousse à bout le système. Donc surtout, vous avez oublié le forfait illimité SMS. Vous allez vous faire défoncer. C'est la mort. Alors quand vous avez le SMS illimité, on a une nouvelle gruge. Ils ont été intelligents quand même, nos petits camarades. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on va leur facturer à nos clients qui ont pris le SMS illimité, qui ont été intelligents, le MMS. Et alors là, quand on vous facture le MMS, on pousse plus loin. On vous le facture 30 centimes d'euros. C'est la chose que l'on aime. On pense que les réseaux Internet transporteront la totalité des données sur la durée. C'est-à-dire que les autres usages disparaîtront et seront transportés sur un réseau Internet. Or aujourd'hui, les opérateurs en place, qu'est-ce qu'ils vous proposent dès que vous parlez d'Internet? Ils vous proposent un Internet limité. Limité à deux niveaux. Limité en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on vous dit Internet, c'est le mail et le web, hein, c'est tout. Nous, on pense que l'Internet, c'est pas que cela. On pense que l'Internet, c'est le mail, le web, le peer-to-peer, des newsgroups, la voix sur IP, ce que vous voulez. Internet, c'est plus large que le mail et le web. Ça correspond à d'autres usages et on a besoin de répondre à cela. Donc, plutôt que vous proposer du faux Internet, on a choisi de vous proposer du véritable Internet. Le deuxième sujet, c'est la notion de fair use. Vous savez, c'est de dire, une fois que vous avez atteint une certaine limite, on va vous bloquer le débit.
Les fair use de marché aujourd'hui sont autour de 500 mégas. Et si vous êtes prêt à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on peut commencer à aller passer 1 giga, 2 gigas. Nous, on a décidé de faire un fair use de 3 gigas. Pourquoi 3 gigas? Parce que c'est l'usage que l'on pense dont vous avez besoin aujourd'hui. Et on sait vous le proposer aujourd'hui sur notre réseau 3G, sur le réseau 3G de Free, et on saura le faire également demain sur notre réseau 4G. À votre portable, à votre smartphone, de se connecter automatiquement sur ce réseau, et donc d'avoir chez vous... Remercie mes collègues. C'est-à-dire de faire un forfait dans lequel vous avez tout ce que je vous dis, c'est dit précédemment, pour 19,99€. Ils peuvent être chers et il va falloir que vous les rendez accessibles, vous les rendez plus accessibles qu'ils ne l'ont jamais été pour vous. Et donc on va vous proposer d'étaler ce paiement sur 12, 24 ou 36 mois. Et c'est de votre choix. Vous n'avez pas de durée limite. Si vous pensez qu'un iPhone, vous souhaitez le payer sur 36 mois, vous pourrez le payer sur 36 mois. Si vous souhaitez qu'un iPhone le payer sur 12 mois parce que vous changez régulièrement de terminaux, vous allez le payer sur 12 mois. Si l'offre de Free ne vous convient pas, vous gardez votre mobile, vous allez ailleurs. Voilà. On a quand même un petit sujet. Il y a un petit sujet que vous n'avez pas vu, quand même. Un tout petit sujet que vous n'avez pas vu. C'est qu'il existe des consommateurs dans ce pays, des petits consommateurs. Des tout petits consommateurs. Donc si aujourd'hui, moi, j'ai une facture de moins de 19€, ce premier forfait à 2€. Si vous n'en avez pas besoin, vous, offrez-le à un proche, offrez-le à un démuni, on en sera ravis. Je pense qu'on peut faire mieux. Vous avez un doute? Tout à l'heure, on a fait une petite... Abonnez Freebox, il se débute toujours. Donc c'est de faire le premier forfait à 0€, au moins celui-là. Vous ne pourrez pas l'oublier. On est ravis. Si vous êtes abonné chez Free, ce forfait est accessible pour 0€. Tout de suite, aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on répond, c'est une sorte de tenaille, je pense qu'on répond à toutes les offres. Si vous avez aujourd'hui, je vous le redis pour la troisième fois, comme je vous l'avais promis, une facture supérieure à 19,99€ pour votre service mobile. Y accéder. Parce que la technologie ne vaut que si elle est accessible à tout le monde. Donc le plus beau des terminaux, si j'ai 200€ de fonds pour commencer à l'acquérir, je n'y arriverai pas et je ne pourrai pas le faire. Vous allez me dire, super tout ça, mais maintenant, est-ce que vous êtes toujours deux fois moins cher? Parce que là, c'est bien beau, on a comparé de l'engagement, du libre, mais est-ce que si je prends le terminal chez vous, je suis toujours deux fois moins cher? Alors on retourne chez nos amis du bon forfait, on se prend une offre avec un iPhone 4S, et puis je compare avec les offres de marché, avec une offre aussi complète. Et de quoi, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'il y a un très bel effort de Bouygues Télécom, qui n'est pas exactement, on ne sera pas deux fois moins cher que Bouygues Télécom, mais on reste beaucoup moins cher que Orange, SFR, on n'a comparé que des délais de 24 mois, si vous êtes sur Bouygues pour y participer, et qu'aujourd'hui, plus rien sera comme avant. Merci à vous d'être venus. J'ai quelques tout petits merci parce que c'est des gens, vous connaissez certains d'entre eux, et c'est extrêmement important pour nous. Le premier merci énorme va à Rani Assaf, c'est mon associé depuis toujours, et c'est Offre Immobilier. Elle a été créée dans un bureau en 2007. Il n'est pas là. Il travaille. Elle a été créée en 2007 dans un bureau, sur un coin de bureau, et elle n'a pas varié depuis ce jour. C'est-à-dire en 2007, on vous a écrit ce que l'on vous présente aujourd'hui, presque 5 ans plus tard. On a écrit ça, ça n'a pas changé.